L'oryx gazelle ou James Buck est une espèce de bovidé souvent considérée comme une antilope. Les oryx forment un genre d'antilope de la famille des bovida. Ils sont répandus en Afrique, surtout dans la savane, ainsi que dans la péninsule arabique, où ils ont disparu avant d'être réintroduits. Les oryx portent typiquement des cornes longues et droites, pointant vers l'arrière. Les oryx se reconnaissent à leurs cornes longues, minces et droites, à leur crinière relativement courte, à leur bosse sur l'épaule et à leurs gros sabots. Leur robe est fine, blanche et porte des marques noires, grises ou brunes. Les deux sexes portent des cornes. Ils ont une hauteur au garrot de 81 à 120 cm et une masse corporelle de 65 à 200 kg. Leurs cornes mesurent entre 38 et 127 cm. Bien adaptés à la vie dans le désert, les oryx sont capables de se passer d'eau pendant une assez longue période de temps et peuvent supporter une forte augmentation de leur température corporelle. Au moment les plus chauds de la journée, ils cherchent à s'abriter dans les rares coins à l'ombre. La température interne de l'oryx gazelle peut atteindre 45 degrés Celsius. Il a toutefois un système de thermorégulation lui permettant de garder sa température faciale à 38 degrés Celsius s'il le faut. Au lieu de gaspiller l'eau de son corps en transpiration et allaitement, il laisse sa température corporelle monter de quelques degrés au-dessus de la normale quand il fait très chaud. La nuit, il rejette la chaleur accumulée. Il est l'archétype même de l'animal qui s'est adapté au désert. Sa résistance est essentiellement due à sa capacité à se passer d'eau pendant presque toute l'année. Pour un animal de cette taille, son métabolisme corporel est moins élevé que la normale, ce qui signifie que ses besoins en nourriture et en eau sont moindres. En outre, son comportement est orienté vers l'économie d'énergie et d'eau. Plutôt que de s'exposer en pleine chaleur, il s'allonge à l'ombre d'un arbre ou, lorsqu'il ne trouve pas d'ombre, se place de façon à présenter le moins possible son corps au soleil. Il n'est actif qu'à la fraîcheur de la nuit, au petit matin ou en fin d'après-midi. Le dimorphisme sexuel s'exprime au niveau des cornes des oryx. Celles des mâles sont plus sabrées et plus écartées, alors que celles des femelles sont proches et droites. Ruminant, herbivore, l'oryx se nourrit de diverses graminées, des melons de Tsamma, des tubercules et des racines car cela qui lui permet de compléter son apport en eau. Ils sont assez craintifs et vivent en troupeaux de 6 à 12 individus, parfois de 30 à 40. Les troupeaux ne sont constitués que de femelles et de leurs petits. Les jeunes mâles vivent à l'écart. Ces groupes sont nomades en fonction de l'évolution annuelle des ressources alimentaires. Seuls les mâles dominants sont peu ou prou sédentaires. Ses prédateurs sont les lions, les hyènes,
les lycaons, les léopards et les guépards s'attaquent aux jeunes. Pour se défendre, il abaisse ses cornes parallèlement au sol puis bondit en avant avec une grande précision. Il détient la réputation d'être la seule antilope capable de tuer les lions et des léopards. En effet, plusieurs de ces félins ont été retrouvés morts après s'être fait encorner par les cornes de l'oryx. Mais généralement, ils préfèrent prendre la fuite, pouvant courir très rapidement. L'oryx gazelle est un animal qui est diurne ou nocturne. Selon la saison, actif la nuit lors des sécheresses mais principalement la journée lors des saisons humides, tandis que les mâles dominants sont grégaires, les troupeaux de femelles semblent plus nomades, se déplaçant pour trouver de la nourriture. Selon certaines études, les bandes noires sur la face permettent aux oryx de communiquer avec leurs congénères selon leur position. Malgré leur force, ces animaux sont assez craintifs et fuient s'ils ressentent tout danger. L'oryx gazelle généralement silencieux, il peut pousser des grognements en cas de danger. L'oryx gazelle ne possède pas de saison des amours et peut se reproduire toute l'année, généralement un mâle pour plusieurs femelles, gestation, 9 à 10 mois. Nombre de petits par portée, un petit faon, rarement deux, le jeune oryx gazelle est sevré à l'âge de 3,5 mois et est indépendant à 4,5 mois. Les menaces pesant sur l'oryx gazelle sont perte et dégradation de son habitat, urbanisation, réchauffement climatique, menaces directes, chasse et braconnage, qui ont failli la faire disparaître. On compte environ 373 000 oryx gazelles vivant à l'état sauvage. La population mondiale d'oryx gazelle est actuellement stable. En déclin à la fin du XXe siècle, l'animal n'est plus menacé. Au contraire, les efforts de préservation ont si bien porté leurs fruits que l'oryx entre désormais en concurrence avec le bétail domestique pour l'accès au pâturage et aux points d'eau. En cas d'attaque, l'oryx essaie généralement de fuir. S'il est acculé, il peut cependant attaquer avec ses cornes. C'est en effet la seule gazelle à pouvoir embrocher un lion ou un léopard. Thank you.
L'espérance de vie de l'oryx gazelle est de, à l'état sauvage, 15 ans, en captivité, 24 ans. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.